Julien Courbet a annoncé le décès de sa mère ce jeudi 15 juillet. Elle se battait depuis plusieurs années contre la maladie d'Alzheimer. Une nouvelle. C'est une déchirante nouvelle qui vient de partager Julien Courbet sur Twitter ce jeudi 15 juillet. Bouleversé, l'animateur a pris la parole pour annoncer la mort de sa mère. « Maman, je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous as rendus tellement heureux. Cette fois-ci Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. » « À très vite », a écrit le présentateur âgé de 56 ans. Un message bouleversant. Posté sous un selfie de Julien Courbet et de sa mère. Une maladie terrible, contre laquelle sa mère se battait depuis de longues années. Aujourd'hui, elle a malheureusement la maladie d'Alzheimer. Elle me reconnaît une fois sur 10. C'est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette rencontre devient un moment de magie, affirmait avec émotion le papa de Lola et Gabin auprès de TV Grandes Chaînes en septembre 2020. Le 23 mai dernier, à l'occasion de l'anniversaire de sa maman, Julien Courbet avait partagé sa peine en constatant qu'elle ne le reconnaissait quasiment plus. « Maman, j'ai dû t'expliquer que j'étais ton fils. Si la tête est définitivement ailleurs, tes yeux étaient là et ton cœur aussi. » Et on a beaucoup rigolé. « Bon anniv, my little mother Alzheimer amour », écrivait Julien Courbet. À la fois bouleversé et plein d'amour pour sa mère. L'annonce de la mort de la mère de Julien Courbet a profondément ému les internautes. Sur Twitter, ils ont été nombreux à lui adresser des messages de condoléances et de courage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 50 millions de personnes sont atteintes de démence. Un chiffre qui pourrait grimper jusqu'à 152 millions d'ici 2050. Parmi lesquels 60 à 70% seront atteints de la maladie d'Alzheimer.